Le bruit. Il se répercute à ses oreilles, assourdissant les cognements affolés de son cœur. À bout de souffle, elle file au plus vite, soutenant son ventre protubérant. Pour Matrice, j'avais envie d'explorer la dimension d'une certaine forme d'exploitation de l'être humain, en l'occurrence là de la femme. Les progrès de la science permettant à une femme de porter les enfants d'un autre couple, je trouve intéressant de me centrer sur cette question de gestation pour autrui, tout en sachant la législation n'est pas la même d'un pays à l'autre. Je me disais que forcément, ce type de disparité légale face à un désir qui est lui universel, le désir d'enfant, pouvait donner lieu à certains abus, à certains types de trafic. Vous avez compris comme moi ? Gueula Vallon d'une voix ahurie. Escape from the car, save the others. C'est bien ça? La voix de la comédienne, c'est une voix assez atypique. Je trouve qu'elle incarne, et dans le ton, et dans le débit, et dans l'intonation de la voix, et la tonalité de la voix, elle incarne des personnages différents. Et je trouve que c'est un exercice extrêmement difficile au niveau des dialogues. C'est plein de subtilités, plein de différences. Et donc, c'est une voix qui est variable, qui s'adapte. Et c'est une voix étrange, un peu atypique, presque avec des intonations masculines. Moi, j'aime bien ça.